soir, i giocatori vastiaci, i giocatori che sono in treccia di entre in destuvuriani compiu a tappu d'orno una volta, secondo maccio e seconda volta quasi pieno, lo Sporting che in treccia di guadagnare già una stagione, quella di supporter per la seconda volta, allora che lo Sporting non è mica la più grossa equipa di Lega 2, le milieu défensif, ça y est, c'est parti pour le coup d'envoi de ce match à Bastia pour un stage d'une semaine avant la Coupe du Monde. Alors que là, faute ou pas faute, oh, il a sifflé pénalty, Julien Fabry, avec le Sporting Club de Bastia à ce niveau de la Ligue 2. Et si Julien était là, oh, il a failli le prendre. Évidemment. Monsieur le paysan ne parle pas turc, peut-être en anglais. Et le coup franc sera Bastia, ils veulent jouer vite les Bastiais, ils veulent ne pas se laisser abattre par ce pénalty et ce score d'un 0 pour 3. Et c'est frappé par Dimitri Lénard, là il faut la mettre, le gardien qui nous enlève ce ballon. Le ballon devant Roncaglia et Christophe Vincent. Et regardez, ils s'en prennent à Vincent, oh ça chauffe dans les buts, ça chauffe dans les buts. Qui rouspète parce qu'il va se prendre un carton. J'espère que ce sera que jaune, parce qu'il y a eu une... Une poussette, non, on va rouge, dire, sur le rouge. Gardien qui s'était emparé. Regardez, Vincent est en train de rouspéter. Il a mis deux rouges, l'ami. J'ai peur que ça soit rouge. Hein. Oui, deux rouges. Rouge. Il faut pas que les Bastiais se laissent abattre. Roncaglia, un centre pour Santelli de la mais tête. Oh la main. Oh la main, monsieur le paysan. À l'entrée des 18. Monsieur l'arbitre. Tout le monde l'a vu, elle est décollée du corps. C'est pas possible. Dimitri Lénard qui va centrer pour Djoko. Djoko, il peut frapper peut-être, non, une fois, deux fois, pied gauche. Ah, le Sporting domine. Coup franc de Dimitri Lénard côté gauche. Une balle pour la volée. Ah, c'était beau. Ah, c'était bien. Ismaël Bourra peut-être, le défenseur gauche, ballon donné en retrait pour le capitaine Troyen. Attention, la tête. Oh, le deuxième but, Troyen. Oh, le deuxième but, Troyen. Et toujours au ballon. Djoko, il garde le contrôle. Lienard, oh, il ouvre, intérieur, pied gauche. C'était bien vu, ça. Tout à l'heure, sur celui qui a calmé, il a calmé Ducrot quand il s'est énervé. On va ce coup franc de Van den Kerkhoff au point de pénalty. Il y a but, Djoko loupe sa tête. Roncaille, il y a la reprise. Ronc, pénalty ou pas. L'arbitre veut aussi peut-être frapper Dramé. Non, Dramé, il la joue là avec... c'était sur le côté gauche. Il voulait chercher Djoko, dégagement de Bourra. La touche sera Bastiaise. Et ça sera la fin de cette première mi-temps. Non, mais c'est prendre le risque pour aller essayer de marquer et les faire douter parce que l'erreur, ils vont la faire. Que Capitioco va sauver la touche et qui va centrer Dimitri Lienard. J'ai la but. Le but de Benji, Benjamin Santelli. Il avait le but derrière lui. Il s'est baissé. Il dévie du sommet du crâne. Et c'est encore qui met le ballon. Le Dogan Hamdar, il ne voit rien. Dégagation. Allez, Tavares, justement. Tavares, il a tout le temps de centrer. La reprise en demi-volée de Benjamin Santelli. C'est Florian Bonner, le contrebassier, avec un bon ballon donné à Benjamin Santelli. Et Santelli, avec Lienard. Oh, quelle balle a donné par Benjamin Santelli à l'entrée des 18. Et il faut continuer et alors faire mal. Et Dimitri Lienard qui a trouvé le pendant aussi pour les ballons. Et c'est Julien Maggiotti. Benjamin Santelli. Lienard à nouveau. Au second poteau. Fasciné. On l'a vu. Magnifique. Le stade est debout. Le stade est couché. Le stade est à genoux. Magnifique. Le Sporting égalise sur ce superbe centre. C'est le deuxième de Dimitri Lienard, le petit. On en parle de lui, on peut en parler. Fasciné Conté qui s'élève et qui met cette cabane au fond des filets. Le Sporting vous salue. Julien Maggiotti. Maggiotti dans le trou pour Fasciné. Penalty. Pourquoi tu ne le donnes pas? Pourquoi tu ne le donnes pas? Monsieur le paysan, il y a pénalty sur Fasciné. Oh, la balle trop fort. Lienard qui revient. Lienard encore. Et Lienard sur le côté. Le centre de Maggiotti. La frappe. Oh, qu'est-ce qu'il nous enlève? Qu'est-ce qu'il nous enlève? Il ne faut pas perdre le fil. C'est bien.
Dimitri Liénard. Laisse passer Maggiotti. Maggiotti. Bien joué. Vas-y. Fasciné. Conte. Fasciné. Conte. Eh oui. Fasciné. Conte. Bastien 3-2. Ils sont debout. Ils sont couchés sur le banc. On s'embrasse. On a renversé l'Himalaya. Le Sporting mène 3 buts à 2. Et il y en a un qui est en train de nous fasciner. C'est le petit Conte. Et oui, si le Sporting mettait Conte, il s'appellerait Fasciné. 3 buts à 2 pour le Sporting. C'est redramé. Voilà, bien fait. Allez Alfarel, monte-le le ballon au contre. Allez Alfarel, passe la ligne médiane. Alfarel avec Bianchini. Et Bianchini est servi. Bianchini s'ouvre le chemin. Il frappe, il est contré. Loin possible. C'est ce qu'il fait. Et c'est terminé. Le Sporting remporte un match de malade. Alors, une fois de plus, mais c'est quand même mérité. Sur l'ensemble du match, c'est mérité. Ce qu'ils ont fait les joueurs, c'est énorme.